Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la boss. Salam. Et avec Yacine, le big boss aussi. Yo. Et moi, je suis l'esclave, ok les gars. Donc aujourd'hui, on va passer 24 heures dans la nouvelle voiture. Oh my god. C'est vous qui nous l'avez demandé. Je sais qu'on a attendu un peu de temps avant de le faire. Je suis vraiment désolé. Mais les gars, il fallait qu'on se prépare psychologiquement. Oui. Rester 24 heures dans une voiture, c'est super compliqué. Comment on va faire? Vous inquiétez pas, les Rey, on va commencer tout de suite avec Yacine. Il a dit qu'il avait un truc à nous demander. Mais on peut commander Uber Eats dans la voiture. On peut tout faire. Avant de commencer ce 24 heures, vous allez devoir prendre ce que vous voulez dans la maison pendant 1 minute 30 maximum pour aller dans la voiture. Mais gros, il a dit 1 minute 30, frère, dépêche-toi. Myriam, elle t'a enfermé, elle t'a enfermé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le chrono, il tourne. Myriam, wesh, on est dans la même team. Regardez, Myriam, elle n'arrive pas à ouvrir. Myriam, on perd du temps. Trop débile. C'est dingue, cet enfant, là. Mais désolé, en fait, c'est la mauvaise réflexe. Mais ok, les amis, on a pris une tablette. On prend une manette aussi, une manette. Dépêche-toi. Mais ça sert à rien, tu vas faire quoi avec ça dans la voiture? Ça sert à rien. Une petite lumière de survie les gars. Mais dans la nuit, il fait nuit à 16h57. Une couette et un coussin. Y'a rien dans cette chambre, y'a rien dans cette chambre. Ok, c'est carré. Les gars, on est arrivé dans la voiture, tout le monde est bien installé. Ce qu'on va faire directement, on va aller au magasin s'acheter un petit déjeuner. Ok, mais par contre, pourquoi tu m'as ramené ici? Je comprends pas. Parce que... Mais c'est pas un petit déjeuner si. Ça. Mais rien, regardez, elle m'a ramené où les mecs? Un petit déjeuner, c'est pas des Ferrero Rocher. Regardez, regardez ce qu'il fait. N'importe quoi. Pour le petit déjeuner. Mais ça, Myriam, c'est que du chocolat, c'est le diabète. Baigné au chocolat. Et ça quand même. Ça, il y en a plusieurs dans le paquet. Ah ouais, bah on prend ça du coup. J'ai vu prendre une petite brique pour les gâteaux, mais regardez, ils ont mis quoi? Cacolac. Ça se trouve, c'est bon. Mais viens, au pire, on prend une canette, cacolac. Comme ça. Pour prendre ça, c'est la même chose, hein, les deux, sauf que c'est... Mais non, mais là, on en prend qu'une. Genre, si on n'aime pas, au moins, il n'y a qu'une canette. Je vais juste vérifier un truc, qu'il n'y a pas d'alcool. Mais c'est du chocolat, comment tu veux qu'il y a de l'alcool? On est dans le rayon voiture, on va en profiter pour voir s'il y a des trucs pour le 24 heures en voiture. Ouais, regardez, là, c'est tout le rayon voiture. Ça, ce qui est bien, Younes, c'est pour que ça sente bon, t'as vu? Nous, on a pris vanille. Ouais. Vu que toi, tu sais pas très bien conduire, tu devrais prendre ça. Pourquoi? Je suis pas un abruti. Ça, tu peux mettre ton téléphone. Tu devrais prendre ça si tu veux faire des manifestations. Le gilet jaune, non. Ah, les gars, en vrai, il n'y a rien dans le rayon voiture. On peut vraiment rien prendre. Les gars, on s'est installé dans la voiture. Yacine, il est pas content. Qu'est-ce qu'il y a, Yacine? Je fais ça là, je me suis cogné mon genou, c'est cogné sur ça parce que j'ai des grandes jambes. Mais Myriam, pourquoi tu fais exprès de dormir alors qu'on a fait l'intro? Du coup, là, c'est l'heure du petit déjeuner. Myriam, elle a ramené tout ça. Mais c'est un truc de ouf de ramener tout ça quand même. Elle a des Nutella biscuits Biregi, des beignets au chocolat, des Kinder Surprise. Et du cacolac. On goûte le cacolac, parce que ça me... Tu vas commencer par quoi là? Par le cacolac. Ça nous intrigue le cacolac. Dès qu'on a vu ça au magasin, on a pété un câble. Ah ouais, ça, on dirait du pétrole. Hein. Oh, ça a fait pchit. Il goûte pour voir. Non. T'as grave le goût du lait au chocolat là quand j'y hop. Alors c'est validé, c'est super bon. C'est grave validé. Ok, impeccable. En plus, regardez, dès le début, il pleut. Alors le programme, les Rey, c'est qu'à... Attends, je mets où ça? Bah mets-le là, regarde là, mets-le là. Dans la nouvelle voiture, il y a ça, c'est stylé. Vas-y. En fait, si on a envie d'aller aux toilettes. Ah là, je sais pas. Dommage, y'a pas les toilettes portables. La pluie s'intensifie, les mecs, dès le matin, il pleut de ouf. Mais t'as pris ça pour le petit déjeuner? Toi, t'as pas honte, tu lui prends ça pour le petit déjeuner? Mais c'est elle qui a voulu, Rey. Je l'ai cassé. Moi, je vais m'occuper de la surprise. Y'a quoi dans la surprise? Mais là, il suffit que de pleuvoir, ça fait grave peur. Mais t'as un toit au-dessus de ta tête, qu'est-ce que tu veux de plus? Eh hey, les gars, wesh, c'est quoi ça? Ouais. Y'a de la pluie qui tombe sur toi. Regardez, les gars, regardez, ils ont fait Younes. Les gars, d'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner, les gars. Quand il pleut comme ça, Dieu, il accepte les invocations. Donc, quand vous voyez, il pleut comme ça, soyez contents. Ça veut dire que vous pouvez demander à Dieu ce que vous voulez, il va vous accepter. C'est incroyable, les gars, c'est presque framboise. Merci. J'ai une annonce de la plus haute importance. Annonce de la plus haute importance. Poissons n'ont plus à manger. Donc, on va devoir sortir de la voiture et acheter de la nourriture pour les poissons, les gars. C'est pas de la triche, mais on va pas laisser les poissons mourir de faim quand même. Faut les nourrir, les poissons, ils sont comme nous. Nous, on mange des burgers et ils mangent des graines. Les gars, on a trouvé leur grailleux, ils mangent des graines. Vous savez, mon père, il m'a dit quoi tout à l'heure? Genre, il y avait plus à manger. Il a dit, Myriam, regarde sur internet s'ils mangent de la salade ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Il est trop beau, le blanc. Moi, si je peux pas habiter avec vous. Je peux pas respirer sous l'eau. J'ai trouvé, Myriam, je leur prends ça. Hey, j'ai le hockey, c'est quoi la technique pour plus avoir le hockey? Vous leur faites peur, vous leur faites peur. Essayez de voir comment ils font pour faire leur cri, mais ils ouvrent pas la bouche. C'est-à-dire, ils crient comment? Et focus-toi sur lui, là, à gauche. Comment il crie? T'as vu, il ouvre pas sa bouche. Oh, il est trop... Ils sont trop stylés, ceux-là. On peut en adopter un. Non. Regarde comment il va s'accrocher. Regarde, t'es prêt? Tu sais que là, ils sont dans un parc d'attractions. Il y a tous les jeux pour eux. C'est incroyable. Ouais. Tu voulais un rat? Mais on a déjà Yacine. Oh, la balle perdue. Il a pas peur. Mais c'est normal, c'est toi. Wesh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais laisse la place aux autres. Il est en train de les étouffer. Mais t'es en train de les étouffer, helle-le. C'est un rat, il veut tout pour lui. Oh, les rats, ils mangent des Kellogg's. Ah ouais, ils mangent comme moi. Bon, les gars, on repart dans la voiture parce que là, on triche. Regardez, ils sont trois dedans à l'intérieur, il est sorti. Oh my god. Ah, il est parti dans sa maison. Coucou.
Les gars, je me suis posé à l'arrière, j'ai méga de la place pour le casser, les Mirabs sont devant. Et j'ai trouvé une astuce sur YouTube pour jouer à la Play DC. Genre, je vais essayer de me connecter à ma Play DC, j'ai pas de connexion. Yacine m'a fait un partage de code, je vais essayer de le faire. Donc là, je suis sur une application, je sais pas si vous voyez bien à l'écran. C'est Remote Play. Vous voyez le bouton bleu, faut que je clique dessus, on va voir si ça marche. La Play, elle est trop loin, jamais de la vie, va la trouver. J'ai vu un tuto, Yas. Attends, regardez, ça charge. Bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir d'acheter une Play alors. Les gars, 2024, c'est la technologie, vous connaissez rien. Tu vas à côté d'une personne qui a une Play, à côté de chez quelqu'un, tu squattes et tu fais que de jouer. Si ça marche, c'est une dinguerie. Yes, je suis connecté à ma Play. Je suis connecté à ma Play, les amis. C'est trop bien, je te jure, je suis connecté à ma Play. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un faux écran, je sais comment. Non, je vais mettre Fortnite. Vas-y, si t'as pas mis un faux écran, fais voir, laisse-moi tester pour voir si c'est vraiment ça. Sachant que Fortnite, il n'existe pas sur le téléphone. Oh la masterclass. Et Fortnite, il n'existe plus sur téléphone, les gars, j'ai réussi à mettre Fortnite. On va essayer de faire une petite game. Connexion, trois petits points. Yes, je suis dans mon compte, saison 0. On lance une game de l'Euro Rocket Racing. Mais c'est dur, ta Play à la maison, elle est allumée. Oui, je l'ai allumée à distance, les gars. Tu veux faire une course? Ouais. Dis, ça marche, là, je suis connecté à ma Play. Yes. C'est une dinguerie. Attends, mais je suis sûr que c'est une vidéo. Non, c'est pas une vidéo. C'est parti, les amis. Ça marche vraiment, Myriam. Mais ben oui, ça marche vraiment, je te jure, ça marche vraiment. Ouais. Je suis connecté à ma Play avec mon portable. En fait, les restes avec l'application. Non, moi, tant que j'aurai pas testé, je te croirai pas. Ouais, ça doit être ça, ouais. Allez, Yacine, tourne, t'es sur Rocket Racing, t'es pas sur Call of là. Tourne. Des fois, il y a des petits bugs. Hein. Ouais, par contre, il y a une latence. Genre, ça le fait une seconde après, genre. T'es arrivé premier? Wow, numéro 1 de la course. Incroyable. Alors, mon astuce, elle est incroyable ou pas? Ouais, mais par contre, moi, désolé, je garde la monnaie. C'est l'heure de manger, là, on est à Burger King. Là, on va prendre un menu incroyable. Mais vous voulez, on va manger dehors ou j'ai pas compris là? Bah, on a oublié de rester dans la voiture, on est au drive. Mais en plus, il y a grave du monde. T'es bondé de ouf, il y a tellement de monde. Heureusement, reste dans la voiture parce qu'il y a grave du monde. Là, je crois que comme les gens ils boycottent les autres restaurants, Burger King, il y a grave du monde. C'est pour ça en fait, je pense. Ça va se régaler. Ça va se régaler. Ça va se régaler. Bonjour, je voulais te présenter un instant, s'il vous plaît. Ok. On a fait un ok. Tu veux quoi? Un double filet aux fiches. Un triple. Un quadruple. C'est de votre patience, mais c'est une petite technique, on n'aura plus de boisson gazeuse. Ok, je vais vous prendre un kingfish que le sandwich, s'il vous plaît. Un double. Oui. Avec des crusty cheese par 4. Lâche-moi. Sauce mayonnaise. Ah, madame, avec une glace. Espèce de douille en va. Si, tant que c'est lui qui va payer, tu as rien à voir. J'ai pas ma carte. Hein. Quoi? Désolé. Mais comment on fait? Je sais pas. Rien. Quoi? J'ai pas d'argent moi aussi. Ah, c'est l'heure de payer, Younes. Oh là là. Tiens ton ticket, mec. Younes, faut que je te montre un truc. Hey, ta voiture, elle est bourrée. Mais regarde Yacine. C'était pour elle. Donne-moi 10 balles. Non, c'est moi qui a payé. Yacine, c'est moi qui a payé. Oui, mais c'est moi qui a mis le téléphone comme ça, donc c'est moi qui a payé techniquement. Donne-moi mes 10 balles. Donne-moi 10 euros. Donne 10 balles. Hey, donne 10 balles. Yacine, c'est une dinguerie. Elle a 30 euros sur elle. Elle a même pas payé son menu. Par contre, tu vas ralasser d'autres choses. Hein. Non. Ah, si. Hey, on s'est posé dans un parking. 4 euros le burger quand même, Younes. Hein. C'est pas cher. Pas d'eau. Ça, c'est pas cher, 4 euros. Non. C'est tout petit. Mais c'est pas cher. Le burger. C'est cher, c'est un truc de ouf. Hein. Fais voir le burger. Il a intérêt à être bon. Incroyable, les gars. Bismillah. Donne-en à Yacine. Hey, il est incroyable. On sent la mayonnaise. Le poisson, Younes. Waouh, t'as vu le poisson? Franchement, je pense que celui-là, il est vraiment au-dessus du McDo. Hein, je vous le dis. Maintenant, on va goûter, les gars, les trucs au fromage. Vas-y, fais voir. Oh, il a mangé. T'as mangé. Incroyable. T'as mangé. Goûte, tu vas voir. Ça croustille en fait. En fait, c'est croustillant. Ah ouais. C'est du fromage qui croustille, les gars. Ouvre-le à l'intérieur, Mimi, pour voir si ça fait le truc comme dans les films. Non, c'est plus de la. C'est du fromage de chèvre, non? Ouais. C'est du fromage de chèvre en fait. Ah, mais t'as mangé. Puis du ketchup dans le sandwich, je sais pas pourquoi. Parce que j'aurais préféré de la mayo. Franchement, c'est validé. Sauf que ça, c'est à la chèvre, mais en vrai, ça va. Vu que le coffre, il est hyper grand, on s'est mis un petit lit. Myriam, je pense qu'il n'y a que Myriam si elle veut se reposer. Moi j'avoue, Myriam, tu peux dormir dans le coffre. Vas-y, va en vrai, tu peux y aller. Vas-y, essaye. Attends. Est-ce que tu te rappelles quand on venait d'acheter la voiture, c'était quoi notre première phrase? On peut mettre un enfant dans le coffre. Et bah regardez, c'est la vérité. Il y a un enfant qui peut aller dans le coffre et dormir. Mets ta couette. Là, t'as ton matelas, ta tablette. Et là, regardez, il y a une trappe. Je veux dire, on peut mettre un deuxième enfant ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, désolé. Vas-y, prends ta tablette. Je ferme pas le coffre, t'es malade toi quoi. Mais non, on ferme pas le coffre. Elle pourra plus respirer. Ah, j'avoue, non, là t'es bien, là t'es bien. 1 hour later. C'est quoi ton meilleur souvenir quand t'es en voiture personnellement? Moi les gars, mon meilleur souvenir c'est quand on prend la route, on s'arrête dans des stations-service, quand on va grave loin et on rencontre Omar, Yacine. En gros, on est en famille, c'est trop. On s'est arrêté vite fait avec les Rey. Ouais. Tu sais que c'est quoi les prix des stations-service? Viens voir, je vais te montrer un truc. Vas-y, Yacine, je te suis. Je te laisse deviner le prix de ça. Le prix de ça? Le prix de ça. 19 euros. Non, 2 euros. 1,40 euros.
1,40€, en vrai ça va. En vrai c'est... Oh, oui, là-bas tu vois, tu mangeais des pains au chocolat, là, c'est des vrais. Ouais, ça c'est incroyable. C'est un quoi, tu penses? Au fromage. C'est quoi au fromage? C'est fromage, c'est incroyable. T'es sûr? Il y a marqué ici, croissant, ouais, francipane. Moi, tu vois, je vois pas de fromage. Bah, prends, prends. Moi, je préfère attendre en Belgique, les gars. Non, moi, j'attends plus tard. On est déjà en Belgique, là. On est... Non, on n'est pas encore en Belgique. Si, on est en Belgique, là. Je mais peux en... manger ou pas? Si je mange, c'est pas grave. On va sortir un pique-nique, les Mimi, amis. Mimi, un pain au chocolat. Un pique-nique. Un pain au chocolat. Eh, hey, moi, j'ai pas dans la voiture, je veux pas rigoler avec vous. Ça met des miettes. Et Mimi est là. Ça se voit que c'est pas toi qui la nettoie. Bah, c'est moi qui va la nettoyer, la voiture. Oh, il a un paquet avec lui. Elle, c'est bien, tu manges pas dans la voiture. On mange pas dans la voiture, s'il te plaît. Merci, barakallahu fi. On t'a tout préparé ta gamelle, les gars. J'espère que vous êtes pas trompés. Hein. Si, on va manger des burgers et tout. Hein. Voilà. T'as un sandwich à l'avocat, rigolez pas, c'est Younes qui me l'a fait le sandwich, je me souviens. C'est bizarre, ça a le goût de l'avocat. Ah, bien, bien. Vous avez vu comme c'était incroyable cet après-midi-là? Attendant, les gars, on a demandé aux abonnés de Snap de nous envoyer des vidéos histoire de se détendre un petit peu. Nissa, elle a envoyé un message, notre autre sœur. Vas-y, vas-y, mets-le pour attends. Voir. Attends. Salut, salut, la familia. Bon, moi j'ai un petit défi pour tes abonnés. Comme vous le savez, Younes, Yassine et Myriam ont une autre sœur. Celui qui arrive à trouver quelle est ma position dans la famille, je suis plus grande que qui, plus petite que qui, gagnera un cadeau de la part d'un code familia. Quoi? Mais ça va pas? Mais non! Salut Younes, salut Yacine, salut Myriam. C'est pour vous dire, si l'Algérie ou la France t'appelle, tu pars avec qui? Question de malade! Tu préfères la France ou l'Algérie, genre si t'étais footballeur pro, à ce que j'ai compris? Tu vas en France ou en Algérie? Est-ce que c'est possible de jouer avec les deux équipes? Non. C'est-à-dire faut choisir soit la France ou l'Algérie? Ouais. Oh la question de ouf! Je suis pas dedans, moi je suis pas dans votre bourbier. C'est pas. Et toi Younes? Les gars, moi tout simplement, si j'aurais été un top joueur comme Mbappé, j'aurais été dans une équipe, n'importe France ou Algérie, parce que je sais que j'aurais joué. Mais si j'aurais été un joueur moyen, j'aurais été en Algérie, parce qu'en France, c'est sûr, j'aurais jamais joué. Mais la famille, je vous promets que les deux équipes, elles sont surpuissantes. L'Algérie vont gagner la CAN et la France, ils vont gagner la Coupe du Monde. Dernier message, on a Roro 69 Latrique, je pense qu'il vient de Lyon, lui. C'est parti. J'ai un mot sur ma main, un fast-food. Le premier qui trouve, c'est le boss. Vous avez toutes les questions possibles. Une 3, pizza. 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est avec une pizza? Non, pas une pizza. C'est de quelle origine? C'est d'origine, c'est pas. Oh. Est-ce que c'est dans un fast-food connu? Ouais, un fast-food connu. Est-ce qu'on l'a? On a déjà été? Oui, on a déjà été. Kebab. Myriam t'a trouvé. Quoi? Il a dit pierre, papier, ciseaux et la personne qui gagne peut sortir pendant une minute de la voiture. Okay, oh non, 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 moi je veux pas, moi. Là, on fait un nous trois, il y en a un, il est éliminé, après on fait entre deux personnes, ok? Vas-y, j'espère que je vais pas gagner. À la délidélo. Yes. Younes, t'es qualifié. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, c'est entre Younes et Myriam. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, Younes. Pas dû gagner. Là, fallait pas gagner, mon gars, ton défi, il est trop pourri. C'est pas le moment de rester dehors. Et bien évidemment, Yassine, comme il a dit tout à l'heure, quand il pleut, faites des invocations. Faites des prières. Les prières sont acceptées. Les amis, pour la conduire, il n'y a aucune vitesse. T'accélères, tu freines, c'est simple. Par exemple, là, je vais reculer. Vous voyez ici, il y a un R. Je vais sur le R. Et regardez, il va avoir une caméra. Vous voyez la caméra là? Ça va reculer. Let's go, on recule. Là, je fais rien, j'appuie sur rien. Regardez, j'appuie sur rien. Elle recule toute seule. Je freine. Et pour avancer, il y a juste à aller sur le B. Et là, pareil, j'appuie sur rien. Regardez, j'appuie sur rien du tout. Elle conduit toute seule. Allez, vas-y, mon Rey. Conduis. J'appuie sur rien. Et là, quand je commence à appuyer, ça conduit. Et là, j'ai plus de vitesse à passer, plus rien. C'est vraiment une dinguerie. 21h, là, il est 21h03. Yacine, moi, je rentre, ça y est. Faut que tu dormes là. Hein. Non, non, non. Déjà, Myriam, elle est partie. Les gars, Myriam, elle est pas dans le coffre. Hein. Moi, je dors pas ici, c'est mort. Je pense que je vais vous laisser là. Les gars, il est 21h. On va rentrer à la maison tranquillement. On sait jamais, la nuit, il y a des gens, ils viennent, ils nous kidnappent. Ou des chats, ou des chiens, ou des girafes. La famille, n'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous. Moi, je rentre à la maison. Et puis, salam tout le monde. Et c'était carré en vrai aujourd'hui. C'était carré. Franchement, je dis pas non à un bon lit là. C'est vrai que c'est compliqué de dormir quand il fait froid comme ça dans une voiture. Il a raison, il a tout dit. Nous, on vous laisse là. Ciao.